Alors ce soir, en fait, je me retrouve à Toulouse grâce à Execo, parce qu'en fait, ils ont pensé à faire une table de réflexion autour du thème entreprise et sport. Les similitudes, est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre le sport et l'entreprise? Dans l'entreprise, il faut de la stratégie, comme dans le monde sportif, et que quelque part, les deux milieux peuvent s'interpénétrer. Et je crois qu'il y a, dans ce cadre-là, beaucoup de choses à dire. Pour pouvoir peut-être penser à une aventure en commun. Des champions, ils ont du cœur et toutes ces questions sont là et ce soir ils répondent par leur présence. Merci d'être là, Laura. C'est vrai, il y a 5 médailles olympiques, il y a 6 titres de championne du monde, il y a un titre de championne d'Europe, mais aujourd'hui je suis plus fière de vous parler de ma reconversion. Voilà. Donc c'est vrai que la chute est souvent difficile, la reconversion est très compliquée. Donc, il faut se préparer à ça. Et voilà, il y a une implication parce qu'il y a une volonté en fait de faire grandir des hommes de demain. On se rend compte que l'entreprise et le sport sont très liés aussi par rapport à la question de la performance, par rapport à la question du résultat, par rapport aux questions de la réussite. Parce qu'ils reposent sur les mêmes dimensions, sur les mêmes préceptes, sur la même volonté d'affirmer sans doute que bon, la réussite doit se construire, doit se fabriquer sur quelque ce qui pourrait être une sorte d'hygiène de vie, hein, et peut-être le sens de l'effort. Dans le sport, c'est le seul domaine qui échappe finalement à des considérations hautes parce qu'on a tendance à prendre la personne parce que c'est le mérite qui s'impose. Je plaide auprès de l'entreprise pour qu'effectivement il y en ait de plus en plus qui accueillent effectivement les sportifs de haut niveau. Merci d'avance à vous. On a parlé pour permettre en fait aux entreprises de comprendre, gérer le petit plus qu'un sportif peut amener au sein d'une entreprise. Casser cette ambivalence entre la culture du sportif de haut niveau ou pas et l'entreprise, et on aurait tous à y gagner. On a parlé aussi des actions concrètes grâce au ministère vis-à-vis de la reconversion des sportifs de haut niveau. Donc pour toutes ces raisons, j'ai pris plaisir en fait à être ce soir avec Execo. On avait vraiment envie à Execo de vous faire toucher du doigt tout ceci. Un sportif de haut niveau, c'est avant tout un homme, une femme, un être humain, peu importe ses origines, sa culture, sa couleur de peau. Il apporte quelque chose à partir du moment où il est capable de tirer les couleurs de la France vers le plus haut niveau. Pourquoi pas tirer les valeurs d'une entreprise. Alors merci de tendre la main et de changer un peu les mentalités. Merci.